Hello les amis, on espère que vous allez Hello! super bien. Là, on ne va plus dire ça fait longtemps, parce que ça fait pas longtemps. Ouais, mais ça fait pas longtemps. Si vous Hein. avez tout suivi, on espère quand même que vous avez regardé toutes les vidéos, On quand espère, même. hein. On Quand espère. Et même! surtout, on espère que vous avez partagé et que vous avez activé votre cloche de notification pour Yes! celles ou ceux qui sont là avec nous depuis toujours. Merci. Et ceux qui viennent d'arriver, bienvenue. Et on espère que le contenu de notre chaîne vous plaît. Et n'hésitez surtout pas à nous faire des Retour, suggestions, tout des retours ça. en commentaire, par message, via Instagram, Facebook, TikTok. Voilà. Donc, on attend vos retours. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons vous Tout raconter? d'abord, veuillez nous excuser parce Ah oui! on a notre bébé On a avec notre bébé avec nous. nous. Elle a refusé de Elle a rester refusé de rester avec avec mémé. mémé. Donc, elle a Donc, voulu rester avec nous. Donc, elle est si vous là. entendez bébé s'exprimer, Ou sachez que tousser. elle aussi, Elle veut se elle faire entendre. participe. D'accord? Donc sans plus tarder, jingle. Ok, bon. Vous avez vu le sujet dans le titre de la vidéo, donc on va parler de la religion. Le sujet Alors, qui fait qui beaucoup. débat en fait, Oui, même entre mais amis, entre même entre amis, adolescents et mais vous tout. savez, quand on est même entre amis et qu'il y a un sujet de De religion et qu'il religion. y a deux religions ou trois Papa, religions papa, papa, papa. qui se Vous pouvez rencontrent, vous énerver, partir mais c'est énervé juste à cause de fou! ce Mais sujet. C'est c'est fou, hein? fou! C'est Et fou. imaginez un couple. Il y a des couples qui sont, qui sont séparés à cause de la De la religion, religion, à c'est cause de ça. la doctrine, à C'est cause de ça. tellement de choses liées à la religion. Et nous, on est passé par là. Ah, ça a été une période de notre vie qui a été vraiment difficile. Mais, on va vous raconter ça. On va vous raconter, peut-être pas dans le détail, 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 mais ce qu'on va vous raconter, vous saurez quand même ce qui s'est passé. Ok? Alors, chérie, qui commence? Moi, toi, on ne peut pas Tu mettre pelle et non, ciseaux. non, Non. tu dis ta part, je dis ma part. Donc, moi, je te laisse dire la part parce que je Non, suis oh galant. non, cette fois-ci, c'est toi qui commences. Comme Non. ça, si tu mens, je vais dire que tu Ah mens non, 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 devant non, la tu caméra. commences. Non, tu commences, Donc, vas-y. on est assis. Bon, ok. Comme elle a insisté, je vais commencer. Alors, il faut savoir que depuis qu'on s'est on s'est rencontrés, on s'est aimés, on a commencé notre petit bout de chemin de relation ensemble. Je pense qu'on avait déjà parlé de ça, hein, de parler de la religion. Eh mais on s'était dit que ça n'allait pas poser Voilà, problème et tout ça. on s'était dit non, ça va poser problème. Au moment où ça va arriver qu'on va devoir se marier et tout. Parce que nous, on savait qu'on allait se marier. Hein. Attention! On savait depuis le départ, moi je savais depuis le départ Mais que. arrivé à un certain moment, monsieur, il pensait que ça n'allait plus être le cas. À Faut quel dire moment? la vérité. À quel moment? J'ai Faut dire la jamais, au grand vérité. jamais. Non, j'ai toujours su. C'est à moi, tu faisais croire que non. Je Ça. raconte mon Vas-y. histoire. Vas-y. Donc, on s'était dit, comme je dis, on s'était dit, bah, ça n'est, moi arrivé, oh, ça va pas causer problème. On va fonder une belle famille avec des beaux enfants, etc. C'est ce qui est le cas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, on finit, on arrive en France. On arrive en France. Et on s'en rend compte que on avance vraiment ensemble et que ça fait déjà un bon bout de temps qu'on est ensemble, vous comprenez? Donc du coup, On se moi personnellement, projetait en fait. j'ai pensé, je me suis dit bon, là ça y est, il faut vraiment qu'on essaie Qu'on passe à l'étape suivante. de passer à l'étape exactement, de passer à l'étape suivante. Et c'est très important, pour moi c'est vraiment important au niveau de la religion. Pourquoi c'est important au niveau de la religion? Parce que pour moi, quand vous êtes en couple, vous êtes une seule personne, vous êtes ensemble, vous pensez. Vous avez les mêmes visions. Si vous avez des visions différentes et que vous êtes en couple, à un moment donné, ça ne va pas fonctionner. Ce n'est pas pour dire que forcément l'un doit se plier à l'autre ou l'autre doit se plier. Non. C'est que vous avez une même vision, vous avez une même conception de l'amour et du couple. C'est pour ça que vous êtes ensemble. Et pour moi, je me dis que au niveau, quand on parle de religion, on parle de spiritualité. C'est ça, de Mais spiritualité. oui, mais Oui. la religion est différente de la Voilà, la spiritualité. religion. Non, Il faut que les gens. oui. Il y a une différence. Ouais. J'ai dit religion parce que La tout le religion, monde c'est entend. l'homme. Attends, tout le monde entend. On dit religion parce que tout le monde l'entend comme ça. Donc c'est pour ça que je mets ce mot-là là-dessus. Donc du coup, je fais comprendre à ma chérie. On avait commencé à parler un peu. Je fais comprendre à ma chérie que bon, écoute, on est chrétien. On est chrétien.
on prie le même Dieu, mais le chemin qu'on utilise pour prier ce Dieu-là est différent. Et moi, j'aimerais bien qu'on on soit sur le même chemin. Ça va être plus simple. Et nous deux, dans cette même doctrine, dans cette même spiritualité, on est plus fort. Donc, mais à ce moment-là, est-ce que je l'ai bien fait? C'est la question qu'il faut se poser. Donc, moi, j'avais l'impression d'imposer. Tu n'avais pas l'impression. Non, j'imposais. Voilà. Et en plus, je dénigrais, entre griffes, elle, sa religion, parce qu'elle est, elle était catholique. Et moi, j'étais protestant. Donc, du coup, il y a... Je suis protestant. Donc, du coup, il y a une différence de pratique. Elle est très grande, la différence de pratique. Donc, du coup, pour moi, c'était pas... pour moi, je ne me voyais pas me marier avec quelqu'un qui avait une autre doctrine, une autre manière de faire que moi. Donc, du coup, je lui ai dit ça, je lui ai fait comprendre ça. Et ma femme, en ce moment, la religion catholique, c'était la prunelle de ses yeux. Je ne peux pas venir lui dire que dénigrer elle sa religion, parce qu'elle, ça ne la dérangeait pas de se marier avec moi comme ça, cette religion protestante. Ça ne la dérangeait pas, mais moi, ça me dérangeait. Ça me dérangeait. Ou pour moi, c'était ou tu deviens protestant ou rien. Il n'y a pas de mariage et ça s'arrête là. Et pour dire, mais il était vraiment imposant dans sa manière de faire, dans sa manière de dire. C'est vrai que je vous ai dit que c'est un homme excellent et tout ça, mais à cette époque, on dirait que ce n'était pas le Yaman que je connaissais en fait. Mais vraiment, hein, vraiment, ce n'était pas le Yaman que je connaissais. De toute façon, il agissait, il était fou. Vas-y, raconte. Donc, je disais, à cette époque, en fait, on était, je crois, en phase de fin de nos études. Et moi, j'étais où? Je ne sais plus, j'avais fini. J'étais en Île-de-France. J'étais en Île-de-France, elle moi, était dans le nord. Dans le nord, Pas-de-Calais, ouais. Et du coup, ça avait commencé à être bizarre dans nos relations. Parce que pour moi, je ne me voyais pas. J'ai dit, si... On ne règle pas ce problème-là. On ne peut pas continuer comme si de rien n'était. Parce qu'à la longue, ça allait nous, comment on appelle, nous bloquer encore. Donc, vaut mieux qu'on règle ce problème-là dès maintenant et on avance. Et j'ai continué à être imposant. Sincèrement, j'ai imposé. Mais derrière, je ne veux pas te mentir que moi, derrière, ça me pesait parce que je ne montrais pas ça à madame. Parce que je veux jouer les plus forts, hein, parce que c'était moi le plus dur. Je ne veux pas venir vous montrer que je suis faible. Donc, j'imposais la chose. J'imposais la chose que... Je crois que ça fait pratiquement un an. Ça fait pratiquement un an que cette histoire a traîné. Je faisais ma vie de côté. Elle aussi, elle était de l'autre côté. On avait fait une pause, en fait. On mettre les mots sur... Voilà. Les... Il n'y avait plus de Aïcha Yaman. Non. Voilà. C'était Yaman d'un côté. Voilà. Et Aïcha de l'autre côté. C'est ça. Et du coup, c'était vraiment devenu compliqué. C'était devenu compliqué parce que je me rappelle que mes amis... l'un de mes meilleurs potes était venu me voir, hein, il a quitté chez lui comme ça, à vélo, il est venu me voir parce qu'il se disait, non mais cette relation ne peut pas finir comme ça. Il a quitté, il n'avait pas l'habitude de venir, il est venu me voir. Et puis il m'a dit, lui viens me voir spécialement pour ça. Des fois qu'on se voit, c'est quand on vous dit, on raconte, on rigole, mais c'était spécialement pour ça qu'il est venu me voir. Il m'a dit, non, ce n'est pas possible. Je lui ai dit, écoute, non, ce n'est pas une question de, parce qu'on a fait longtemps ensemble qu'il faut, parce que c'est une conviction en fait, il faut respecter cette conviction-là. Et il a tout fait, il m'a tout dit. Et puis il est parti. Je suis resté sur ma position. Moi, je ne change pas. C'est d'où je dis que je suis un peu têtu. Tu sais que je reste dans ma position. Je suis resté dans ma position, mais je souffrais quand même. Je souffrais parce que madame pensait que c'était elle seule qui souffrait dans cette situation. Parce qu'elle, elle le démontrait. Elle l'extériorisait. C'est ça. Voilà. Moi, c'était enfui en moi. Et moi, je ne le faisais pas totalement savoir. Et du coup... elle a même pris un rendez-vous chez un prêtre, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'était à Sartrouville. Ouais. Et on est allé discuter avec le prêtre. Même ça, non, moi je ne... En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vu un prêtre premièrement. Et ensuite, on a pris un rendez-vous aussi avec un pasteur pour leur exposer la même situation. Est-ce qu'on a vraiment pris un rendez-vous avec un pasteur? Oui, Hillsong, tu as oublié? Hillsong, quand on était sorti d'une de leurs... Ah d'accord, moi je ne me rappelle plus. Oh. Sincèrement. Et c'était en plus la femme de ton pote là qui nous avait pris qui avait demandé à ce qu'on voit la personne, le pasteur. Moi je me rappelle plus. Ok. Ouais. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il avait raconté lui le jour là? Ah si, je me rappelle.
Sachant que les deux personnes ont dit que maintenant qu'il n'y a pas de problème, que c'est... Tu es sûr que c'est ce que la personne, les deux personnes ont dit? Oui. Bon, je te laisse raconter, allez, continuer. C'est à nous de prendre la décision et tout. Mais même malgré ça, je lui ai dit, franchement, je ne vais pas changer de religion parce que je t'aime. En fait, moi, c'était un truc sur lequel je pouvais pas passer outre, en fait. Je vais pas changer de religion parce que oui, j'aime Yaman, je vais faire ma vie avec lui. Si je ne sens pas la religion, si je ne sens pas la communauté dans laquelle tu es, je vais pas juste dire c'est fini. Les aléas. Je disais quoi déjà? Donc c'était ça. Et je vais profiter pour donner un conseil, ne changez pas de religion, ou bien n'allez pas dans une religion que vous ne sentez pas ou que vous n'avez pas cette conviction là. On change pour Dieu. Exactement. Ça, c'est très important. Justement, je rebondis là-dessus, c'est que justement ce que tu es en train de dire, c'est que moi, dans le fait que dans ma croyance envers Dieu et dans ma manière de faire, c'était pas comme ça qu'il fallait que je procède. À un moment donné, on a eu cette tension, je me cachais, je regardais ses stories, je faisais tout, mais à un moment donné, les choses sont revenues. On a fait bas la terre. Mais ce n'était pas parce qu'elle m'avait dit qu'elle allait changer. Elle n'avait pas changé de religion en ce moment. Mais je ne sais pas, il y a quelque chose qui m'a fait comprendre. En fait, la manière dont tu es en train de faire. Mais je vous avoue que je n'en pouvais plus de rester sans sentir ma chérie. Donc du coup, ça m'a aussi, le désir de la chair un peu et tout, a fait que je suis revenu. J'avais besoin d'elle. Et puis là où ça m'a tiqué, c'est que ma chérie, on dirait qu'elle faisait exprès. Le jour de son, elle avait fêté son anniversaire, c'était fête belle, mais de ouf! En plus, j'étais partie en Espagne. Elle est allée en Espagne quand j'ai dit non! Dans un autre pays où il est pas là! J'ai dit non, je peux pas laisser, c'est pas possible! C'est mon âme, c'est qui est allée quoi! Elle dit Seigneur! Pour laisser ça! Ça va! En plus de ça, il m'a appelé Seigneur. De mon anniversaire, elle m'a dit ah, comme ça, tu pars dans un autre pays, elle va me dire mais regarde, toi et moi, on n'est plus ensemble! What? Et tu me dis le mon gars, quand tu es avec quelqu'un, et puis tu sais que c'est ton cœur qui est en train de parler, il faut t'amuser, et puis tu vas laisser, tu vas voir. Regarde, il y a des gens qui sont vifs dehors, tu t'amuses, ils vont te récupérer en ça. En plus, il m'a dit au téléphone, faites attention à vous, hein. Vous êtes que des filles là-bas. Bah, mais c'est vrai quand même. Ne vous laissez pas draguer par les hommes. Ah, bah, et oui, tout ça, dit, ok. Le jour, je vais bien dormir. Je me suis dit, mais elle peut pas être trop belle dehors comme ça, c'est pas possible. Moi, je suis où? Et puis en Espagne? Non. Bref. Donc du coup, je suis revenue, on est revenu ensemble, on a commencé, puisqu'elle a quitté, elle est venue en Île-de-France, elle ne savait pas où habiter, je lui ai dit, bah, viens rester avec moi. Tu ne savais pas où habiter? Bah, j'étais le seul. Ah bon? Bien sûr. Il y avait mes amis, hein. Oui, mais... Je me suis tapé. Bah, oui, mais tes amis étaient en colocation, tu vas aller encore t'ajouter avec eux? Ouais. Finalement, tu es venu chez qui? Oh, elle raconte ça, ben, c'est moi, elle est venue. Elle a supplié de venir chez nous. Voilà. J'ai supplié! Elle aime se jeter des fleurs, finalement, celle-là. Donc, du coup, on a repris ensemble, on a repris. On a repris ensemble, je me répète, oui, parce que j'ai eu un trou de mémoire, je reviens. Donc, du coup, je suis revenu et j'avais compris finalement que non, la manière dont je procédais, c'était. C'était pas comme ça qu'il fallait faire. Et en plus, je pense qu'à un moment, je me suis dit, à part moi-même, il y a mon père qui me disait, qui me donnait certaines doctrines dans le fait d'être de la même religion, qui pesait sur moi. Donc, ce qui veut dire que aussi, il faut pas aussi laisser. Il avait la pression. La pression, la famille aussi. Voilà. Il faut pas laisser la famille vous mettre la pression sur des convictions. Et pour moi, c'est très important, je rebondissais sur ton truc, c'est qu'il ne faut pas accepter une doctrine parce que tu es amoureux ou tu es amoureuse. C'est très important. C'est très important. Et justement, je suis revenu parce que j'ai compris que ce n'était pas ce qui est comme ça qu'il fallait que je procède. Parce que si je force et qu'elle, par amour, elle dit oui et qu'elle rentre dans le foyer et qu'elle se rend compte que finalement... Elle n'aime pas. Qu'est-ce que le foyer va devenir? C'est ça va devenir de la cacophonie. C'est-à-dire que elle va rentrer, elle va faire semblant.
C'est avec ça. Dieu, on ne fait pas semblant. Exactement. Toi, l'homme, toi, tu verras ça, tu vas penser, mais à la langue, ce n'est pas possible de te dire. Ton cœur n'est pas à Dieu. Voilà. Et le jour où elle dit non, l'homme. Vous êtes déjà marié, elle dit non, vous allez vous disputer. Vous allez vous disputer. Comment ça va se passer? Bah, c'est ça le problème. Donc, je suis revenu à de meilleurs sentiments. Et c'est comme ça, on est reparti ensemble. Et puis, franchement, je ne sais pas à quel moment ma femme elle-même, Dieu même a fait le travail, hein, a fait le travail de ce que madame elle-même, elle aille chercher les informations, elle aille comprendre et elle aille avec son cœur vers cette religion-là. Et finalement, aujourd'hui, on est marié, ça fait 2 ans et ça fait pratiquement 2-3 ans que madame... 2 ans et demi. Depuis 2019, je dis, ça fait 3 ans. Non, c'est pas depuis 2019. 2 ans et demi que madame, aujourd'hui, elle est chrétienne, protestante. Et non, aujourd'hui... Je ne suis pas chrétienne, protestante. Elle est chrétienne. Je suis chrétienne. Merci là-bas. Sandra, il faut laisser que je mette les mots pour que les gens comprennent. Après, on peut faire une vidéo pour expliquer que la religion a été créée par l'homme. Et que la seule religion où on prie le Seigneur, c'est chrétien. Mm-hmm. Parce que c'est quand on est les disciples du Christ. C'est ça, je suis disciple de Christ. Voilà, mais là, il faut que les gens comprennent. Bref, entre parenthèses, on va refaire une vidéo là-dessus. Donc, voilà, aujourd'hui, même moi-même, je suis des fois surpris. Parce qu'aujourd'hui, elle sert à l'église. Est-ce que je ne suis pas heureux? Ce que j'ai toujours souhaité, en fait, c'est ce qu'il y a aujourd'hui. Attention, on ne vous incite pas à changer de religion et faire comme Aïcha et Yaman. Attention, il y a certaines personnes qui sont mariées, musulmans, chrétiens, chrétiens, animistes, et qui vivent leur relation. Okay? Nous, c'est dans notre doctrine, c'est comme ça qu'on concevait le couple, et c'est comme ça, et c'est ce qui fonctionne aujourd'hui avec nous. Donc, ne prenez pas ce que nous disons pour appliquer et avoir des problèmes dans votre relation ou quoi que ce soit. Ok? Bon, je vais rebondir sur ce que monsieur a dit. Du coup, c'est pas parce que lui m'a dit de changer de religion et tout ça que je l'ai fait. C'est juste, comme il a dit, j'ai commencé par suivre des enseignements, à suivre certaines prédications de certains pasteurs et tout ça. Et j'ai fait une formation bien approfondie pour pouvoir bien comprendre en fait la Bible, premièrement, pour comprendre c'est quoi on appelle être chrétien. Parce que oui, je suis née dans une famille chrétienne, j'étais chrétienne catholique et tout. Mais comment le dire, je fonctionnais par automatisme, c'est ça non? Je fonctionnais par automatisme. Je savais qu'il fallait faire ci, c'est qu'il fallait scolaire, faire ça. En fait. Voilà. Et je savais qu'il fallait faire ci, qu'il fallait faire ça, qu'il fallait faire telle chose. Mais je ne comprenais pas forcément le pourquoi. Je connaissais, je savais qu'il y avait Dieu, je savais qu'il y avait Jésus, je savais qu'il y avait Marie, qu'il y avait les saints et tout ça. Mais moi-même, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que créature de Dieu, je ne savais pas ce que ça voulait dire concrètement. Dieu n'était pas aussi palpable pour moi que maintenant. Donc, c'est après ça. C'est après beaucoup de cheminement, pratiquement un an de cheminement à suivre des formations que bah, je me suis dit, enfin, le Saint-Esprit m'a parlé et je me suis dit, bon, le Saint-Esprit m'appelle à partager sur la terre, cette religion-là, qui m'appelle à fonctionner de cette manière, à prier de cette manière. Et j'ai compris en fait ce que ça voulait vraiment dire, être enfant de Dieu et appartenir à Christ. C'est à partir de ce moment-là que j'ai changé. C'est vrai qu'on va peut-être vous faire une autre vidéo sur ça. Ça n'a pas été facile avec ma famille. Mais Dieu faisant, ils sont très compréhensibles. C'est passé, l'attention est passée et tout. Et je suis très fière aujourd'hui de dire que je suis une ambassadrice de Christ sur terre. Et que bah, on partage la même foi parce que c'est très important aussi. C'est très important dans le foyer. Parce qu'on peut tout dire. On peut tout dire que tu sois animiste, chrétien et que vous soyez ensemble. Mais ce que j'ai compris au final, c'est que ça ne sera pas pareil. Le niveau de puissance que vous devez avoir en tant qu'une seule et même personne. Parce que quand tu t'allies à une personne, vous devenez une seule personne. Ce n'est pas pareil du tout. C'est qu'au fond de toi, quand vous allez prier, ton esprit, une partie de ton esprit te dira après la prière qu'on vient de faire, je dois faire quelque chose d'autre. Alors que quand vous êtes ensemble, vous êtes positionnés de la même façon. Quand vous priez,
vous savez que c'est une prière, d'accord. Tu n'as pas besoin de dire que oui, après je vais faire telle chose, je vais faire telle chose. Non. Donc, comme il a dit, ne faites pas parce que Aïcha Yaman en fait une vidéo. Ils ont dit qu'ils ont, ils ont maintenant la même religion et tout. Non. Il faut juste vous poser la question. Là où vous êtes à l'heure actuelle, est-ce que vous sentez que vous avez cette communion-là avec Dieu? Nous, on est chrétiens. Après, il y a d'autres personnes qui sont des musulmans, qui font partie d'une autre religion. Mais nous, on ne peut que dire, est-ce que vous appartenez à Dieu? Parce que c'est lui seul qui est le maître, qui est le Dieu de l'univers et tout ça. Est-ce que vous sentez que vous avez une proximité avec lui, intimité avec lui, faut vraiment là poser où cette question, vous êtes actuellement? Voilà. Et si ce n'est pas le cas? Cherchez. Si ce n'est pas le cas, c'est une vraie question à vous poser. En fait, le truc que je vais résumer tout simplement, c'est qu'il faudrait que toi-même, tu cherches. C'est ça, c'est dans ton cœur. Hein. Dans ton cœur, tu ne cherches pas. Tu cherches. Absolument pas. À vraiment rencontrer, à connaître Dieu. Qui exactement, est vraiment Dieu. Exactement. Quand tu vas te poser cette question et que tu vas essayer de comprendre et essayer d'avoir une réponse, tu vas rencontrer Dieu en cherchant bien. Mm-hmm. Vraiment. En te disant, en mettant dans ta tête tous les jours que je veux connaître, connaître. Hein. Franchement, moi je me rappelle que j'avais dit ça, j'avais ouvert la bouche une nuit en priant, disant, mais Seigneur, je veux te connaître, parce que jusqu'à présent, je sais et je suis sincère avec toi, je ne te connaissais pas. Qui je suis pour toi? Et ce n'est pas une réponse que vous allez recevoir comme ça, genre évident et tout ça. Non, c'est au fur et à mesure, le temps va passer. Vous allez écouter des choses, vous allez lire des choses qui vont venir affermir une certaine conviction, qui vont venir vous... Les paroles de la Bible deviendront plus concrètes. Genre, ça sera pour vous, en fait. Ça sera pour vous. Vous savez que oui, ce n'est plus le Dieu de la Bible, ce n'est plus le Dieu qui est au ciel, mais un Dieu qui est vraiment présent à chaque instant avec toi et qui chemine avec toi. Donc voilà. Alors, pour conclure en fait sur cette story times, en fait c'est quoi? C'est que il faut prendre un exemple. On prend un exemple. Quand vous êtes dans une situation, dans un groupe donné, et que vous êtes plusieurs à être sur la même vision, le même diapason, même longueur d'onde, les choses avancent. Quand vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, la même vision, il y a discord. C'est simple, hein? C'est ça aussi. Quand vous êtes marié, quand vous êtes en couple, vous formez une seule personne. Et aujourd'hui, il faudrait qu'on se dise, arrêtons de se limiter à cette vie que nous avons sur cette terre, entre humains. Il y a une autre vie. Il y a un autre monde spirituel. C'est ça. Vous comprenez? Les croyants, vous le savez. Et dans le spirituel, si vous n'êtes pas vraiment aussi sur la même longueur d'onde, vous êtes marié devant les hommes et dans l'autre monde, vous êtes dans le même, mais vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Ça ne va pas. Ça ne va pas aller. Ça ne va pas aller. Donc, du coup, c'est pour ça que quand on est marié, moi, je trouve que c'est ce qui est logique, en fait, c'est de, voilà, quelles qu'en soient vos différences sur la terre des hommes, mais parce que quand vous vous mariez, vous venez de différentes éducations, ça peut être différent. Ouais, mais spirituellement, c'est très très, c'est important, très important. C'est important. Vous-même, vous savez, c'est important. C'est important. Donc, mes chers parce amis, c'est comme si vous priez, mais votre manière de prier, il y a une personne qui invoque telle chose ou telle personne, alors que l'autre personne invoque telle personne. Enfin, je sais pas trop comment l'expliquer. Je pense qu'ils vont comprendre. Ça dit que l'un va voir l'autre, une autre personne, et l'autre va voir une autre personne. Ça. Donc, du coup, c'est pas pareil. Pas, enfin, ça sera pas pareil. Pareil. Mais pas pareil. Moi, je tiens à insister, s'il vous plaît. C'est pas parce que nous, on vient de dire ça, et que vous êtes en couple, vous allez faire des histoires avec votre chérie, vous allez faire des histoires avec votre femme. Non. Tout est un cheminement. Tout est un cheminement. Si, il y a des, je vais vous expliquer. Si dans votre cœur, vous vous sentez à l'aise. C'est ça. Et que c'est selon vous. Avec votre conjoint, ça roule parfaitement. Il y a rien. Allez-y. Allez-y. C'est allez-y. Selon votre cœur. Hein. Allez-y. Même Dieu m'a dit que quand on vient pour parler de lui, ce n'est pas avec la force. C'est ça. On ne force c'est pas. C'est le Saint-Esprit qui fait tout. On ne force pas. Dieu ne force pas. C'est hein. ça.
Si on n'a pas l'habitude, non, ok. C'est ça. Anyway, c'est ça. Tranquillement, tranquille. C'est ça. Ok. Et c'est dans la prière que toute bataille se gagne. Voilà. Voilà. On termine par là. C'est ça. Et franchement, franchement, ça me fait plaisir de vous raconter cette histoire-là. On aura plein de choses à vous raconter. Et sincèrement, n'hésitez surtout pas. J'ai voulu dire quelque chose, c'est sorti de ma tête. N'hésitez surtout pas à partager, sincèrement, à activer la cloche de notification et à nous lâcher un pouce bleu. C'est important pour nous, pour que notre chaîne soit vue. Et j'insiste, partager, partager, pour qu'on puisse toucher beaucoup. Plein de monde. Allez, ça, on est à. N'hésitez pas à nous poser des questions. Voilà. Si vous voulez connaître d'autres choses, elle nous écrit inbox. Exactement. On vous... Ce sera avec plaisir. YouTube, on répondra. Facebook, Instagram, TikTok. Mais surtout puis, plus sur Instagram. Sur Instagram, quand on répond. Écrivez, c'est plus ouais. rapide à lire exactement, et à répondre. À répondre. Surtout Instagram, ok ouais. Allez, gros bisous. Et à la prochaine. À la prochaine.